Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Life is Strange et j'ai envie de dire enfin le second épisode, le second chapitre de Life is Strange Out of Time. On l'attendait depuis un bon moment, je savais qu'il allait sortir en fin mars et il sort donc aujourd'hui. Nous sommes le je sais pas quel jour, le 24 je crois. Ouais, je crois, il me semble qu'on est le mardi 24 mars, je sais même plus comment je vis, mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2, le deuxième chapitre de Life is Strange. Donc, pour suivre aussi, c'est l'épisode 4 de mon Let's Play, c'est un peu le bordel, mais épisode 2 de Life is Strange, mais épisode 4 de Let's Play. Et sans plus attendre, on va continuer notre sauvegarde de l'épisode 1, puisque c'est une histoire qui continue. Hein, donc, hop, épisode 2, Dortoir des filles. Donc si je me souviens bien, à la fin de l'épisode 1, on m'avait montré à Chloé. Ah bah, j'ai besoin d'en rien dire. Wow. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. La fisserie, j'ai le permettant au jour d'influencer l'histoire, toutes vos actions. Ouais, bon, ça, c'est le même truc que dans le premier épisode, de toute façon. Donc, pour un peu résumer vraiment la fin de l'épisode où on en était. Il y a notre ancienne meilleure amie Chloé qui est à la recherche de sa nouvelle ancienne meilleure amie aussi. Éteindre le réveil. Et donc on va l'aider à la retrouver. Sauf que on lui a parlé un peu de nos visions qu'on avait et de la tornade qui va arriver sur la ville. Ah, il y a une autre intro en plus. À chaque épisode, il y aura une intro. Donc la tornade qui va arriver sur la ville pour mettre en garde donc tous les habitants de la ville pour pas qu'ils se feront un peu aspirer par la tornade. Donc je crois que nous par nous-mêmes on aura beaucoup de conséquences et d'influences dans l'histoire. Donc c'est pas du tout ce qui va se passer dans l'épisode là, on a eu un petit trailer juste avant la sortie du jeu avec un genre de train et tout ça. Donc je pense que cet épisode va être un peu mouvementé, contrairement au premier où on découvre un peu les personnages, la ville et tout ça. Surtout le pouvoir. Life is Strange épisode 2 Out of Time. Alors je suis prêt à voir ce qui va nous arriver. L'espace se lever. Oh, moi, je joue la manette. Ok, donc là on est dans notre chambre d'étudiant. Alors, c'est salissant d'être super-héros, j'ai besoin d'une douche. Pourquoi nous dit de regarder tout de suite là? The Max Caulfield. On demande à voir de Max Caulfield. Donc ouais, on était là. Cette fille, donc Max. Journal, on a tes smurfs. Mad Max, t'es là? Pour toi toujours, je te l'ai dit. Pas d'émoji. Rendez-vous au diner dans 40 minutes, j'y serai. Sois pas en retard, on va dire de contrôle pas le temps. Tu t'effonces pas comme dans ma chambre, j'arrive, je te dans 40 minutes. Dépêche-toi. Ok, donc là on a rendez-vous avec Chloé dans un resto apparemment. Max, le proviseur m'a envoyé un email. Il paraît que tu as raconté des histoires invraisemblables à propos d'un excellent élève de Blackwell, c'est vrai. Le proviseur m'a dit qu'il prenait ses accusations mensongères au sérieux et qu'il s'inquiète pour toi, appelle vite. On en parle, bisous. Ouais, donc dans le tout premier épisode, on avait balancé l'un des meilleurs élèves de. On sent pas les steaks. Apparemment, pour tous les choix qu'on allait faire, ça revenait au même.
En fait, sinon, le téléphone de portable, ok, ça rentre, on s'en fout. Lire, chambre de Max, emploi du temps. Tiens, il y a quoi dans l'emploi du temps? Mrs. Hoyda is still out sick. Madame Hoyda, I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Quel jour sommes-nous? Je ne sais pas. En plus, on est 2013-2014. Moi, ouais, l'anglais, l'histoire, l'algèbre, ouais. J'avais un peu compris, hein. Je suis venu en anglais, mais faut pas, tu sais, prendre. Ok, Max, let's hit the showers now. Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall I be my Gucci shirt with a rattan jacket? Pourquoi je veux de la guitare? Je vais mettre DVDs. Normalement, on peut arroser la plante, voilà. On va l'arroser. Drink up. Je l'ai fait qu'une seule fois dans le premier épisode, je préfère l'arroser maintenant. Parce que, en fait, il y a des objectifs à faire sans qu'on sache qu'il fallait faire. En fait, on le sait juste à la fin du premier épisode. Voilà, cette action va avoir des conséquences. Donc, si je l'aurais pas arrosé, je pense qu'elle aurait... Elle serait morte, hein, tout simplement, la plante. Appareil photo. On va prendre un selfie. Je vais faire un truc même de toute la chambre pour louper le truc. Ah, trois pôles le selfie. Ok. Post-it. Tiens, regarde le post-it. Je n'arrive pas à regarder ses yeux ouverts, mais je sais qu'il y a une explication. Ouais, donc là, on reparle un peu de tout ce qu'elle a vu. Le bus, la tornade. Ouais, ok. Photo. Par contre, la chenille-fille. Oh, elle a arrêté. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a dans le tirar? Ce serait cool de se faire une partie entre les potes plutôt que passer son temps. J'ai pas le temps, mystique des cachetements. Ah, d'accord, c'est un jeu. C'est un jeu de cartes. Ok, bon, on va aller prendre notre douche. Courtney, seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. Rally the douche. I'll get the papers to you this afternoon. I'm so on it. Alors, elle, si vous vous rappelez... Ow! Alors, est-ce que je peux... Ah là, cette fois, je prends des trucs dans la gueule. Qui est de balance. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Loupé. Wow, now that was close. Thank you, Max. Voilà. Elle, à chaque fois, on va la sauver de situations tordues, quoi. Généralement, faut le faire pour l'aider. Bon, où est-ce qu'on... Non, merde. Je m'en fous. Où est-ce qu'on prend notre touche? Panneau d'affichage, on s'en bat les steaks. Douche. Show her open. Eh, salut copine. Oh, elle pleure. Pourquoi pleures-tu, petite? On va aller la voir. Ah non, elle brosse les dents. Hey Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Faut m'en avec leur petit pyjama. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. J'y pense. Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? What? Des trucs de préservatif. I'm good to flow. Ça va, pas thanks. Besoin. Regardez. The last time I got a flu shot, I got the flu. On s'en bat les steaks. On va prendre notre douche. Je te parie qu'il va se passer un truc, je sais pas pourquoi. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video.
You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Alors que c'est nous qui l'avait... Enfin, c'est nous qui lui avons foutu le pot de peinture dans la gueule. She's a weirdo with that dumb camera. Mais... On l'avait été réconforté et tout, on était devenus... Crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. En plus, elle avait remonté son moral et tout. On va aller voir la vidéo. Je rigole si le lien existe vraiment. Je voudrais que je le screen ou quoi. Et alors là, si le lien existe vraiment, je rigole. Ah ouais, d'accord, elle se sèche comme ça, normal. Allez, où ta serviette, wesh. I better get dressed and go give back Kate's book. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Kate's vidéo. On va l'effacer, hein. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Hop, on va utiliser le robinet pour se laver les mains. Ah, la tête aussi, alors qu'elle vient... Water. Sorry, I forgot. What? What? Tu tires du robinet, il n'y a plus d'eau. Ok. Rachel is a wash. Bon, apparemment l'autre ça reste toujours une grosse connasse. Merde, j'ai plus une grosse touche. Alors l'autre elle voulait que je lui ramène son truc dans sa chambre. Son bouquin, ou je sais pas quoi. What? No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Si je remonte le temps que je peux voir ce qui est rentré, non? Bon, où est-ce qu'elle a foutu son livre là? Où est-ce qu'elle a foutu son... What, il y avait pas la photo là. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Ouais, j'avoue. Ça fait un peu peur. Bon, où est-ce qu'il y a son bouquin à deux balles là? On va s'habiller. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. Et bizarrement, le même coupe, enfin le même fringue. Chercher. No book here. Pas de livre ici. Pas chez Ballot. Chercher. Ah. Of course she just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Oh. Be gone, foul soft drink. Oh. Aha, you sneaky book. You're mine. Et je sais pas si je peux remonter le temps du coup. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Est-ce que je peux aller taper chez les autres? Un numéro privé? Fine, ferme ta gueule. Attends, ferme ta grande gueule, sinon je te défonce. Tu sais où tu dors. Je sais où tu dors. What? Numéro privé. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats. It never ends. No Brooke here. Je sais plus où est-ce qu'elle est, sa chambre à kick là. De toute façon, ça doit être marqué. C'est la chambre de qui ça? Chambre de Kate. On va l'effacer. Moi je vais être copine avec elle. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. What? Elle est dans le noir. Oh!
Tiens, je viens te rendre ton livre. Hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Alors là... attendez que je me souvienne... Ah oui, ça c'est quand le père à Chloé est venu... Je n'avais pas le choix. I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Pourquoi? On va Why faire semblant qu'on ne connaît pas le lien de la vidéo. Video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but... Tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I tried to... Ça dépend si la gorgée, parce que si c'est une bouteille de chacun, sure it was just one sip? I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Nathan Prescott, c'était le mec qui a défoncé notre copain. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and... felt a sharp sting in my neck. And that's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Sure. Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Bon, bah ça c'est une affaire super joyeuse encore, je crois. Ils font ça là. Même pas capable de. So Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Bah. On a besoin de preuves. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. J'ai même pas vu la vidéo, quoi. No, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. Faut que je dans ma chambre, that seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Elle est pas contente, je crois. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Bah ouais, je veux dire... Putain, le débile et tout, quoi, ça fait peur.
C'est bien d'aller voir les flics, mais il faut avoir des preuves. Si t'as pas de matière, ça sert à rien, quoi. Je vais aller voir dans ma chambre, 2 secondes, sur le PC, s'il y a moyen de voir la vidéo. Je vais marquer sur le mur en dessous. Ah merde, il y a le message de Chloé. Utilisé. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Suivant. This is so insane, it sounds logical to me. This wormhole thing makes total sense, but doesn't it? I would say this is some crazy, and I thought I was into Halloween. Dana is not messing around here. Attends, on peut pas voir, fuck. Je voulais voir la vidéo, moi. D'ailleurs, j'ai un smas. Chloé. Arrête, attends, je te retrouve sur... Arrête de taper, tu vas te faire mal au doigt. Y'a petit déj. Pas d'émoji. C'est quoi, pas d'émoji? Bref. Où doit-on aller? Tiens, il y avait notre copine là. Ok, son balistique. Hey Brooke. Brooke. Oh, hi Max. Tu as vu la neige? Je pense un beau kissel. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Ah oui, c'est parce qu'il y a neigé avec un temps de 30 degrés, c'est vrai. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? No. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Bon, on va aller dehors. On va voir ce qui s'y passe. Peut-être qu'il y a 3 mètres de neige dehors. Ah bah non, il y a rien en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire ici? Regardez. The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. The birds are flocking around Samuel. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. En vrai, c'est vrai, je rejoins plus à son resto là. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there, except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Ah, plus tard. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Alors par contre, je sais plus du tout comment marche le système de sauvegarde du jeu. J'ai pas envie de lui parler. Ciao. Putain. Ici le père de Nan, je vous préviens, toute tentative de diffamation ou chantage à l'encontre de mon fils se terminera devant la justice avec mes avocats. Vous n'êtes pas la première à Blackwell à essayer ça, j'espère que vous serez la dernière. Considérez ceci comme un premier et dernier avertissement. Max, get over here. Hey, salut, Warren. Warren. What are you doing here? Well, nothing. Putain, waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. C'était intense. That was intense. Everything happened so fast. I owe you.
Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully, and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you're glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I'll give you the story later. Principal Wells is taking care of it now, I hope. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Yes, that's exactly what I need. I love those old-school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Ok, bah comme ça on ira voir des films à deux. Ouh, trop bien. Par contre, il est où le resto? Je sais pas du tout. À moins qu'il va m'emmener tout seul. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le fucking resto. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Ah bah je vais peut-être prendre le bus. Attention, placement de musique. Ça sent les avertissements de droit d'auteur, tout ça. En tout cas, les musiques, ils suivent bien l'ambiance et le thème du jeu. Musique calme et tout, reposé. Tant que le truc en bas à gauche, il est pas sauvegardé. Fait ces effets là, on enlève ses écouteurs et tout. Du coup, les gens, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier épisode de l'épisode, enfin du chapitre 2. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, moi je suis très content de pouvoir continuer ce let's play que j'attendais depuis un bon moment. Il y a eu pris un peu de retard, je sais pas si vous avez suivi un peu les actualités, il y a eu pris un peu de retard au niveau de la sortie. Puisqu'il y avait des gens qui ont réussi à avoir, on va dire, l'alpha test de l'épisode 2. On va dire illégalement, hein, puisqu'ils n'étaient pas destinés à eux, et ça s'est su, et les développeurs du jeu n'étaient pas vraiment contents, et du coup ils ont un peu retardé la sortie du jeu, voire même normalement ils voulaient même pas le sortir. Enfin bref, voilà, donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura fait plaisir, que la reprise de ce let's play vous aura fait plaisir. En tout cas moi je prends toujours autant de bon temps à parcourir le jeu avec vous, et autant à découvrir donc le scénario du jeu. Il y a pas eu tellement de choses qui s'est passé dans ce premier épisode, c'est à peu près le premier épisode du chapitre 1, c'est à peu près pareil, mais ça pose les bases et tout ça. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Qu'est-ce que je veux pas d'émoji?
Je serai en Zebosto. Lol. Celle qui dit de dépêcher, puis celle qui est en retard. Du coup, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne de Facebook, le forum, le Twitter. Tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve très bientôt pour le second épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Shut up.